10 km du Nil, près de la ville d'Égypte moderne El Araba El Madfouna, se trouvent les vestiges de la plus ancienne cité égyptienne appelée Abdou, rebaptisée par les Grecs et appelée Abydos. C'était le site de nombreux temples anciens, dont celui de Séti Ier et d'une mystérieuse liste royale remontant à des milliers d'années. Une nécropole royale où les premiers pharaons ont été enterrés a également été découverte à cet endroit, ce qui suggère que cette région était extrêmement importante en termes d'inhumation. Cela a conduit à l'accroissement de l'importance de la ville en tant que site de culte pour Osiris. Mais qu'y avait-il de si important dans cette zone? Les experts continuent de déterrer des indices. En novembre 2016, l'Égypte a annoncé la découverte des vestiges d'une cité perdue à côté du temple mortuaire de Séti Ier. Lors d'une fouille, une équipe d'archéologues du ministère des Antiquités égyptiens a mis au jour les restes de huttes et de tombes anciennes remontant à 7000 ans. Certains pensent que cette importante découverte n'indique que le début non seulement de la datation de cette ville antique, mais aussi de son importance dans le monde. Ce qui se trouve sous la surface de ce complexe de temples pourrait révéler une histoire très ancienne. Ce n'était en réalité que le début. Nous savons qu'une série de découvertes assez extraordinaires ont été faites à Abydos, comme ces énormes embarcations qui ont été découvertes dans les cimetières, par exemple. Il est donc très clair qu'Abydos était considéré comme l'entrée du chemin vers l'au-delà, un chemin qui se dirigeait vers l'ouest, dans la direction du soleil couchant. Abydos était sans doute le plus important de tous les cimetières d'Égypte. Et cette tradition s'est poursuivie tout au long de l'Ancien Empire jusqu'à la période du Nouvel Empire, avec ce grand temple construit par Séti Ier vers 1300 avant Jésus-Christ. C'est un temple incroyablement grand. Lorsque nous nous en approchons, nous percevons ces 12 piliers plutôt imposants. On en compte 6 de chaque côté de cette entrée gigantesque. Entrer à l'intérieur, c'est se retrouver dans le palais d'un géant. En le traversant, nous passons par les différentes chapelles et finissons par arriver dans un couloir. Et dans ce couloir, sur une frise qui s'étend sur tout le mur, nous pouvons voir non seulement tous les rois qui ont régné pendant la période dynastique jusqu'à ce point, l'époque de Séti Ier, mais aussi des détails sur l'époque des dieux, l'époque des demi-dieux, en remontant jusqu'à l'époque de Zeptépi, le premier temps d'Horus. C'est l'un des temples les plus mystérieux que l'on puisse trouver en Égypte ou ailleurs dans le monde. Nous ne savons pas avec certitude qui a construit ce complexe. Nous ne savons pas avec certitude depuis combien de temps il est là. Nous l'appelons le complexe du temple d'Abydos, mais il englobe en fait deux sites très différents. L'un d'entre eux est visible à l'œil nu. C'est le temple de Séti Ier, qui est très contemporain, même en termes actuels. Si l'on observe ce temple aujourd'hui, son architecture est de toute beauté. Il est magnifiquement agencé. Il semblerait que ce site ait été construit sur un site encore plus ancien et bien plus mystérieux, d'une architecture très différente, appelée l'Osiréion. La nature de la construction et la datation apparente de ce site sont de la même époque que ce que nous trouvons sur le plateau de Gizeh.
L'héritage qui nous a été légué est tout simplement la technologie, l'extraordinaire technologie et la précision de la construction de ces structures, aux endroits où nous les trouvons aujourd'hui. Alors que le sphinx a été sculpté dans la pierre locale, l'Osirion semble avoir été construit à partir du granit, provenant des carrières d'Aswan. La façon dont ces structures sont agencées suggère une datation similaire au plateau de Gizeh. Nous parlons ici de la fin de la dernière ère glaciaire. L'ère glaciaire s'est terminée il y a environ 12 000 ans, et les conditions météorologiques ont été instables pendant les 4 000 années suivantes. Nous considérons donc que la construction du complexe d'Abydos a eu lieu entre 10 000 ans et 12 000 ans avant aujourd'hui. Officiellement, l'histoire égyptienne démarre entre 3100 et 3200 avant Jésus-Christ. Le fait que l'on ait trouvé à Abydos une ville datant d'il y a environ 7000 ans révèle l'ancienneté du site. Il est important de se rappeler qu'Abydos était le site d'Osiris. Il vivait à Abydos, où se trouvait son temple principal, l'Osirion. Osiris est mort à l'époque du dernier grand déluge, c'est-à-dire il y a 10 000 ans. Trouver une ville vieille de 7000 ans à cet endroit révèle donc l'ancienneté du site. La ville aurait vraisemblablement été découverte à 400 mètres du temple de Séti Ier. Elle appartenait probablement aux Chemsis, les disciples d'Osiris, autrement appelés les anges gardiens dans la Bible. Les textes funéraires égyptiens nous apprennent qu'Osiris y vivait avec ses Chemsis, sa garde rapprochée. Ce mystérieux temple, appelé l'Osirion, a été construit à un niveau tel qu'il pouvait se remplir d'eau. S'agirait-il d'une technologie ancienne remontant à 10 000 ans? Mathias de Stefano explique que la technologie présente dans ce temple souterrain de l'Osirion renvoie à l'Atlantide. Ce temple a été construit comme un point de connexion. À l'époque de l'Atlantide, les gens utilisaient l'eau comme moyen d'apporter des informations. Ils stockaient les informations dans l'eau. De cette façon, ils transmettaient les informations dans le sang, par le biais du bain, comme le faisaient beaucoup d'autres cultures. Ce temple consistait à regrouper le ciel et la terre ensemble dans le sang humain, afin qu'ils puissent assimiler les informations des deux parties de la réalité, réunies en une seule. Et comme pour les pyramides, il a été construit en faisant venir les pierres de loin par le biais du son. La technologie utilisée était le son. Toute la pratique consistait à transférer les informations du cosmos dans le sang, dans les cellules, par les vibrations, par le son. Voilà pourquoi c'est le premier endroit dans l'histoire où l'on a découvert la fleur de vie. À mon avis, il existe une connexion certaine entre l'Osirion et l'Atlantide. Les textes du temple d'Edfou qui mentionnent l'Atlantide parlent d'un temple appelé le Bouenem, qui se traduit par « le lieu de la citerne ». Cela correspond exactement à l'Osirion. À mon avis, le Bouenem était le prototype de l'Osirion. Il devait s'agir du même type de structure en Atlantide et à Abydos. Si le temple de l'Osirion est relié à l'Atlantide, est-il possible qu'Osiris lui-même soit relié à l'Atlantide? Depuis 2007, je travaille sur une thèse importante qui démontre qu'Osiris est le dieu que l'on retrouve sous le nom d'Enki en Sumer. Ils sont une seule et même personne. Les textes sumériens font constamment référence à Enki, accueillant nobles et roturiers dans son temple aquatique.
De nombreux sceaux sumériens et acadiens montrent Enki dans une structure à colonnes entourée d'eau. Il est clair qu'il s'agit du temple d'Osiréion. Selon moi, Enki et Osiris étaient un seul et même être. C'était Enki, seigneur de la terre pour les Sumériens. Hazar de son vrai nom égyptien. Et Osiris était son nom grec pour les Égyptiens. Il a longtemps vécu dans l'Osiréion, où il accueillait son peuple et prêchait la bonne parole. Enki en Sumer et Osiris en Égypte étaient tous deux proches du peuple et leur transmettaient leur savoir. Enki était représenté par le fameux serpent biblique en Sumer. Certaines tablettes le désignent comme le serpent. Un élément important lié à la foi à Abydos et à ma théorie selon laquelle Enki serait aussi Osiris est qu'Enki vivait de manière régulière dans un temple aquatique appelé Abzu, selon le texte sumérien. Or, le site d'Abydos se prononce Abdou en égyptien, ce qui signifie la colline du reliquaire. Pourquoi une colline? Nous savons qu'il y avait une colline au-dessus du temple d'Osiréion sur laquelle poussaient des arbres. À quel moment Enki est-il devenu Osiris? Les tablettes sumériennes mentionnent Enki avec les Anungo, sa garde rapprochée, qui deviendront les Shemsis en Égypte, et les Anuna, les disciples d'Enlil en Égypte. Au début, Enki était très présent. De nombreuses tablettes évoquent qu'il est venu sur Terre avec les dieux, qu'il s'est installé dans les montagnes de Karzag et qu'il a créé le jardin connu sous le nom d'Éden. Mais il est évident, d'après les textes sumériens, qu'Enki ne s'entendait pas avec les Anunna. Il a fini par quitter le clan des Anunna et par partir vivre dans les îles Atlantes et en Égypte, où il s'est installé et a créé son site à Abydos. C'est là qu'il est officiellement devenu Hazar, ou Osiris. Osiris était l'un des principaux dieux de la culture égyptienne, relié bien sûr à la trinité principale, comprenant Isis et Horus. Leur histoire est davantage liée au premier pharaon, à la première lignée de rois et de reines de ce pays, et à la façon dont ils se sont mis à ressusciter par momification, entre autres. Il était donc en quelque sorte le dieu de l'après-vie, de la momification. Mais cela reflète seulement la vision égyptienne de l'histoire. Son histoire est bien antérieure. Elle remonte bien plus loin dans le temps. Et elle est plutôt liée aux familles de l'Atlantide, qui sont arrivées sur cette terre il y a environ 11 000 à 12 000 ans. Pendant cette période, après la fin de la civilisation atlante, ils sont venus ici. L'une des premières familles à s'être installée ici a été la famille d'Osiris, qui, bien sûr, ne portait pas ce nom. Il semble y avoir un lien entre l'Osiréion et le culte d'Enki en Sumer. Cela vient du fait que le temple principal d'Enki, à Eridu, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Iran, a impliqué la création d'une structure où les eaux de l'Euphrate entraient et inondaient les niveaux inférieurs, exactement comme dans l'Osiréion à Abydos. Bien que nous sachions que l'Osiréion était clairement associé au culte d'Osiris, et que tout ce qui se passait en Sumer était lié au dieu Enki, nous devons nous demander s'il existait un réel lien entre ces deux dieux. L'Enki sumérien était-il en réalité la même personne que celle à laquelle l'Égypte faisait référence sous le nom d'Osiris? Si c'est le cas, aurait-il pu vivre sur les îles Atlantes et coloniser une région en Égypte, aujourd'hui appelée Abydos? Les spécialistes évoquent une route célèbre qui aurait pu être celle par laquelle sont passés les disciples d'Osiris pour aller de la côte africaine à Abydos.
Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, s'appuyant sur des textes égyptiens, a entrepris de cartographier la route empruntée par les disciples d'Osiris après le déluge qui a détruit l'Atlantide. Les Égyptiens connaissaient bien l'histoire de l'Atlantide, car elle est racontée en détail sur les murs du temple d'Edfou. Il est allé des colonnes d'Hercule au mont Atlas, puis a tracé le parcours aujourd'hui connu comme la voie des morts, en passant par le désert de Libye et Thèbes jusqu'à Abydos, et sans doute Dendera. Il est très intéressant de voir qu'Hérodote a pu recréer ce parcours que les archéologues contemporains connaissent bien, puisque nous trouvons des traces de cette route dans tout le désert libyen, qui est devenu depuis une route commerciale. L'Atlantide était une civilisation installée au cœur des îles de l'océan Atlantique, entre les îles du Cap-Vert, les Canaries et les Açores. Les îles Canaries étaient l'endroit le plus important par lequel ils ont commencé à se répandre dans le monde. Ils ont pris des chemins différents pour arriver jusqu'au Nil, parce que le Nil était leur objectif. Depuis les îles Canaries, ils sont passés par ce que nous appelions à l'époque Tagok. Tagok représentait ce que nous connaissons aujourd'hui comme la péninsule ibérique. Il y avait un chemin blanc et un chemin noir. Le chemin blanc passait par le nord et le chemin noir passait par le sud. C'est-à-dire que d'un côté, il passait par le Maroc d'aujourd'hui et toutes les montagnes de l'Atlas, et de l'autre, il passait par les vallées fertiles du Sahara. À cette époque, le Sahara tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. La région était beaucoup plus verte. Ils ont donc traversé toute cette région jusqu'à atteindre le delta du Nil par le nord et le centre du Nil par le sud, où se trouve aujourd'hui Abydos. Si cela est vrai, où pouvons-nous trouver dans les textes des preuves de cet ancien clan d'Osiris Enki? Selon mon hypothèse, la partie sud de l'Atlantide se trouvait dans les îles Canaries et s'étendait au nord jusqu'aux Açores. L'Atlantide a été perturbée à plusieurs reprises. Elle a connu de nombreuses inondations, comme le mentionnent les textes d'Edfou. Les Atlantes étaient régulièrement confrontés à des problèmes et étaient constamment obligés de tout reconstruire. Selon moi, la partie sud correspond aux îles Canaries, nom provenant du latin Canariae insulae, l'île aux chiens. Non pas parce que les chiens envahissaient l'île lorsqu'elle a été découverte, mais parce que d'anciennes légendes racontent que des humains à tête de chien y vivaient. À nouveau, nous retrouvons l'idée que les disciples d'Osiris, les Chemsis, étaient présents dans la partie sud de l'Atlantide. L'un de ses épithètes était Kentamentiu, le premier des Occidentaux, qui avait une tête de loup. Il est le premier disciple à avoir apporté la culture occidentale de l'Atlantide en Égypte. Anubis avait également une tête de loup et était l'un des fils d'Osiris. Après la mort de son père, il est devenu une sorte de dieu funéraire. Il était également relié à Osiris par sa tête de loup. Si les textes anciens décrivent les disciples d'Osiris et leur lien avec l'Atlantide, où pouvons-nous trouver des preuves que la femme et sœur d'Osiris étaient également reliées à l'Atlantide? Les spécialistes pointent du doigt le symbole des cornes de vache. Isis est la clé. Près du temple d'Abydos, dans le sud de l'Égypte, se trouve un autre temple magnifique, celui de Dendera. Sa principale divinité protectrice était Hathor. Elle était la déesse des vaches. Mais en plus de cela,
Il semblerait que c'était aussi le lieu de naissance de la déesse Isis. D'ailleurs, il existe un bâtiment particulier que l'on peut visiter aujourd'hui et qui est censé être l'endroit même où la déesse Isis est née. Isis était la sœur d'Osiris. Et Osiris était le dieu principal d'Abydos. Il y avait donc un lien spécial entre ces deux centres de culte, l'un associé à Isis et l'autre à son frère Osiris. Dans le Critias, Platon explique que la culture atlante était associée aux cornes de vache. Il est intéressant de noter que les vaches dominent sur le site de Dendera, qui était intimement lié à Isis. Dans le temple de Ramsès II à Abydos se trouve une représentation du pic royal orné de cornes de vache. Il s'agit d'un culte très ancien. Nous pouvons également voir des braseros en pierre avec des cornes de vache en Égypte. Les cornes de vache sont un symbole distinctif lié à l'Atlantide, comme l'explique Platon. Il est fascinant de trouver ces éléments à la fois à Abydos et à Dendera. Abydos a peut-être été la demeure du dieu Osiris, mais elle est aujourd'hui connue comme le siège du culte d'Osiris. Anton explique que le culte d'Osiris n'a commencé qu'après sa mort, et que sa mort a joué un rôle important dans notre histoire et la compréhension de notre existence sur cette planète. Le culte d'Osiris avant sa mort consistait simplement à rencontrer un dieu et à suivre ses enseignements. Après sa mort à Abydos, il y a 10 000 ans, près du temple d'Osiréion, une célébration annuelle était organisée pour honorer sa mort et le ramener à la vie. Abydos était l'un des plus anciens centres de culte du dieu Osiris. Pourquoi ? Parce qu'Osiris était le dieu des morts. Le dieu mort qu'incarne le pharaon une fois décédé. Mais il y avait autre chose. Avant même qu'Osiris ne soit associé à Abydos, c'était le lieu de culte d'un autre dieu du nom de Khétamentiu. Il apparaissait sous une forme canine, de toute évidence un chacal. Ce chacal était considéré comme le guide des âmes dans leur voyage vers l'au-delà, à travers le monde souterrain. Khétamentiu a fini par faire partie du culte d'Osiris. Lorsque nous traversons le magnifique temple de Séti Ier à Abydos, nous arrivons sur une cour ouverte. Et en regardant vers le bas, nous pouvons voir une incroyable structure souterraine constituée d'énormes blocs de pierre. Ce sont des blocs énormes qui semblent presque avoir été déposés là par des géants. Tout cela forme une structure rectiligne au centre de laquelle se trouve une plateforme surélevée, ou un îlot. Celui-ci aurait été entouré par l'eau découlant du Nil dans le passé. Et au cœur de cette île particulière, nous pouvons voir d'énormes piliers supportant des linteaux sur le dessus. L'ensemble était recouvert d'un toit et était clairement utilisé pour des rituels et des initiations, probablement en rapport avec le culte du dieu Osiris. Mais pourquoi Osiris ? Parce que selon les versions les plus anciennes de l'histoire de sa mort, il aurait été enterré sur une île dans une tombe. L'Osiréion représentait donc la tombe symbolique du dieu Osiris. Et les rituels liés au culte d'Osiris auraient eu lieu à cet endroit tout au long de l'époque dynastique. Si le culte était basé sur sa mort, quelle histoire a été racontée ici pendant de nombreuses années?
L'histoire de la mort d'Osiris est fascinante. Elle raconte la trahison de ce dieu par son frère Seth, qui était le dieu farceur. On raconte qu'il aurait enfermé Osiris dans un cercueil sur mesure, qui aurait ensuite été cloué et jeté dans le Nil. Osiris en serait mort. Mais sa sœur et épouse, Isis, aurait retrouvé son corps et ressuscité le dieu. Mais Seth aurait encore une fois retrouvé le corps et l'aurait découpé en 14 parties qui auraient été répandues aux quatre coins de l'Égypte. C'est à ce moment-là que l'intrigue se corse. Les spécialistes soulignent que quelque chose de mystérieux a été dissimulé dans cette histoire. Quelque chose qui a eu lieu à Abydos. Les experts évoquent un système mystique qui détiendrait la clé. La gématrie est un système mystique hébraïque qui permet de décomposer les mots en caractères individuels auxquels on attribue une valeur numérique spécifique. Lorsque ces valeurs sont rassemblées, cela forme un total, un nombre qui a une signification mystique. Il semblerait que ce soit quelque chose que l'on retrouve également dans la culture grecque et qui a été associé au culte d'Osiris. La mort d'Osiris est codée en chiffres dans les textes funéraires égyptiens, comme à travers la gématrie dans la Kabbale. Le corps d'Osiris a été découpé en 14 morceaux. Jésus, qui a également été crucifié, est passé par 14 stations sur le chemin de croix. Osiris a été tué par 72 assassins. C'est un nombre récurrent dans de nombreux mythes. Les 72 noms de Dieu, les 72 langues parlées à Babel, les 72 archontes du gnosticisme. C'est un nombre symbolique qui est intimement lié à l'Ancien et au Nouveau Testament, et en particulier à l'histoire de Jésus-Christ. L'une des plus célèbres histoires de mort et de réincarnation pourrait-elle avoir un lien avec l'histoire d'Osiris ? La vie d'Osiris constitue l'un des plus grands mystères de la mythologie égyptienne, ainsi que de la mythologie mondiale, car il existe énormément de parallèles entre la vie d'Osiris et la vie des icônes, des mystiques et des saints ultérieurs, y compris Jésus de Nazareth. La mort d'Osiris a longtemps été occultée dans la culture égyptienne. Elle était insupportable pour les anciens Égyptiens. Pour aborder sa mort, ils la codaient dans les textes funéraires. Il n'existe aucun texte qui décrit clairement l'événement, même si nous le retrouvons par bribes dans tous les textes funéraires. Il est pourtant codé dans tous les textes funéraires. L'élément de l'histoire qui ressort est qu'il y a plus de 10 000 ans, alors que la guerre faisait rage dans les îles Atlantes et que la planète entre Mars et Jupiter a explosé, Osiris se trouvait à Abydos avec sa garde rapprochée. Ils ont tous été massacrés. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais il devait y avoir des traîtres du côté d'Osiris qui ont ouvert l'accès au site d'Abydos. Osiris a été traîné, à moitié noyé dans le Nil qui coule à Abydos, puis attaché à un arbre, crucifié et éventré. Il est même dit dans certains textes que son cœur a été arraché et dévoré par Seth. Un dieu civilisateur attaché à un arbre et crucifié n'est pas sans rappeler certains passages du Nouveau Testament.
Les textes funéraires égyptiens sont très clairs quant au lieu où Osiris a été assassiné. Il est explicitement dit que cela a eu lieu à Abydos. Un petit canal, connu en égyptien sous le nom de Nedit, le lieu où le père a été attaché, traverse Abydos. Une fois de plus, nous retrouvons l'image d'Osiris attaché à un arbre, à Abydos. Comme je l'ai déjà mentionné, la tablette sumérienne PM 100046 mentionne le fils de la vie attaché à un arbre et sacrifié par un démon cruel. Son corps est récupéré par ses deux sœurs et est ressuscité grâce à Eresh-Kigal, la reine de Kigal, le monde souterrain sous Gizeh. Osiris est mort à Abydos parce que c'est là qu'il vivait et enseignait. C'est symbolique, car c'est l'endroit où il a enseigné à l'humanité les secrets des outils. Cette idée apparaît également dans la tablette BM 100046, où il est dit que le fils de la vie a été critiqué pour avoir parlé de l'arbre de la connaissance au peuple. Si Osiris Enki est mort crucifié sur ce site antique d'Abydos il y a 10 000 ans, se pourrait-il que ce message ait marqué un tournant pour l'humanité? La mort d'Osiris vers l'an 10 000 avant Jésus-Christ représente un tournant dans l'histoire. Les textes funéraires égyptiens qui parlent de sa mort évoquent comme date l'an 2500 avant Jésus-Christ. Le décalage entre sa mort et les textes qui en parlent est d'au moins 8 000 ans. Il s'agissait d'un dieu civilisateur qui, à l'instar de Jésus-Christ, a transmis des enseignements et a été massacré parce que son message était désapprouvé. Mais son message a perduré pendant des millénaires. Abydos a été un point de repère pendant des millénaires. Des gens du Proche-Orient, de l'Extrême-Orient et de la Méditerranée sont venus pleurer sa disparition sur sa tombe. Cela a duré pendant des millénaires. C'est incroyable. Il nous est difficile de l'imaginer car notre point de référence est Jésus-Christ, datant d'il y a 2000 ans. Nous parlons ici d'il y a 8000 ou 10 000 ans. C'est impressionnant. Son message a perduré et nous le retrouvons encore dans certains textes aujourd'hui. Nous retrouvons la même histoire dans différents mythes, qu'ils soient sumériens, acadiens, égyptiens ou africains. L'empreinte d'Osiris résonne dans la mythologie Dogon, avec le sacrifice de Nomo sur un arbre. Le coyote maléfique, le renard pâle, qui est déterminé à le tuer, correspond à Seth ou Enlil. L'histoire est symbolique et cyclique. À la suite de la mort d'Osiris, les chroniques d'Horus ont commencé. Il aurait été la réincarnation d'Osiris. Les textes expliquent qu'Isis a extrait les gènes d'Osiris et a donné naissance à Horus. Celui-ci a suivi une trajectoire similaire à celle de son père, mais il était beaucoup plus guerrier et a combattu les troupes de Seth. C'est une histoire symbolique, comme celle de Jésus, qui se répète jusqu'à ce que le message soit entendu. L'humanité est-elle capable de le comprendre? Mais pourquoi la mort d'Osiris et la légende qui l'entoure sont-elles si importantes pour nous, mais aussi pour les Égyptiens dynastiques? La réponse est simple. Cela renvoie au concept de mort et de résurrection, non seulement celle des êtres humains, mais aussi de la nature et des cycles du soleil chaque année. Tous ces dieux de la mort et de la résurrection propageait l'idée de l'importance de la mort et de la résurrection dans l'au-delà. Et bien sûr, cela a perduré également avec le christianisme. Nous retrouvons des idées similaires avec la mort de Jésus et sa résurrection après 3 jours. Parce que le premier culte du christianisme a très clairement emprunté beaucoup de ses idées à des dieux païens préexistants qui vivaient dans la région du Proche-Orient avant le premier siècle de notre ère. Tout cela nous indique à quel point
il est important que lorsque nous mourrons, nous soyons ressuscités. L'histoire d'Enki et d'Osiris, et peut-être même de Jésus, est celle d'un grand homme qui a enseigné aux humains comment comprendre l'univers et leur lien avec Dieu. Est-il possible que ces enseignements continuent à nous parvenir jusqu'à ce que nous comprenions leur véritable signification? Nous devons intégrer quelque chose concernant notre existence, qui repousse nos limites et qui nous permet de comprendre ce qui nous est enseigné. Osiris a pu représenter cela à une époque antérieure au christianisme. Donc, il semblerait, d'après mes guides égyptiens, d'après les Bédouins avec lesquels j'ai travaillé, et d'après leurs traditions mystiques, et d'après les histoires transmises de père en fils dans la lignée des guides égyptiens, que l'Isérion soit une sorte de salle des archives, une salle des archives de la sagesse. C'est là que les informations sont stockées. Osiris représentait l'expérience de l'univers, le processus de reconnaissance, le processus de la vie, d'apprentissage de la vie. C'était l'image que le peuple atlante avait du représentant des familles dans leur culture, à savoir que les humains essayaient de représenter le concept de l'univers. Ce n'est pas que lui et les autres étaient des dieux, mais c'était des personnes qui essayaient d'incarner le concept du cosmos afin de pouvoir enseigner aux autres comment il fonctionne. Il représentait donc l'expérience de l'univers. Nous devons nous battre pour notre liberté. La même histoire revient sans cesse. C'est exactement ce que le monde traverse actuellement. Nous devons tous nous battre pour notre liberté. Les humains, les non-humains, les surhommes et les dieux se sont tour à tour battus pour elle dans le passé. Les mythes et les textes indiquent clairement qu'ils se sont battus pour la liberté de l'humanité. Nous ne pouvons pas l'oublier et nous devons continuer le combat. Il est important de protéger la liberté individuelle. Enfoui sous la terre de cette ancienne cité d'Abydos, se trouve non seulement le temple de l'Osiréion, mais aussi la légende d'un homme venu des îles au large de l'Afrique qui a construit son refuge pour pouvoir enseigner aux humains les informations de l'univers. À cet endroit, pendant des milliers d'années, l'histoire a été racontée et racontée à nouveau. Et il est fort possible que nous ayons adapté cette histoire à notre vie moderne. Les histoires, les religions et les codes renvoient tous à cet enseignement principal. Se pourrait-il qu'au fond de nous, nous nous souvenions tous que nous incarnons l'univers et que nous sommes plus puissants que ce que nous pouvons même imaginer?